En 2017, AMG fête ses 50 ans. Et oui, déjà. Alors on est très loin de l'atelier des origines où deux illuminés préparaient des classes S. AMG, c'est désormais le bras armé de Mercedes dans le segment des sportives. Et avec ce concept car, le préparateur ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Après avoir lancé des modèles spécifiquement conçus en interne comme la SLS ou l'actuelle GT, AMG va désormais développer une famille complète de modèles. Jusqu'à présent, l'AMG GT, c'était soit un coupé, soit un roadster. Eh bien, ce concept car annonce que bientôt, ça sera aussi un coupé à quatre portes. Une rivale de la Porsche Panamera, par exemple, mais avec un moteur hybride. Côté style, c'est un mélange réussi entre le coupé AMG GT et une Mercedes CLS. Calandre conquérante, capot bombé et arrière façon fastback pour la sportivité. Ligne de toit et flanc épuré pour l'élégance, les designers ont réussi leur coup. Alors évidemment, c'est du costaud, hein. 815 chevaux au total. Sous le capot, un V8 4 litres biturbo. Sur le train arrière, un moteur électrique et les performances déménagent. Mercedes annonce un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Des performances de supercar en dépit d'un poids que l'on devine élevé, notamment du fait de la présence des batteries. Et une preuve supplémentaire que l'hybridation ne sert pas que la sobriété. Elle peut apporter un plus à l'agrément de conduite. Gageons que bon nombre de futurs modèles AMG seront hybrides. Alors la haute technologie, elle n'est pas que sous le capot. Hein. Par exemple, ici, on a des phares à fibre optique. On a aussi de l'aérodynamique active avec des clapets ici qui s'ouvrent ou qui se ferment en fonction des besoins du refroidissement du moteur. Bon, par contre, il y a quand même une petite fausse note, c'est ces jantes en alliage chromé, c'est pas du meilleur goût. Alors tout ça, ça paraît très futuriste, hein, mais cette AMG GT à 4 portes, elle sera bel et bien commercialisée et dès l'an prochain.